Donc voilà, tu as toute rayonnante. Ah merci, oui, c'est gentil. Tout comme Esther, hein, moi j'aime beaucoup ce qu'elle a apporté. Ça, merci, ça change. Hein. Oui, oui, j'avoue, ça le change. Le pagne avec les couleurs bien agencées, vraiment, ça donne un air de poupée Barbie. Fière d'être africaine. Yes. Oui. Un petit coucou à Guy Serge qui nous a que des merveilles. Oui. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'un thème qu'on n'a jamais abordé ici sur le plateau. C'est vrai qu'on parle de religion très souvent, qu'on parle de plein de choses, plein de thèmes. Mais aujourd'hui, on a choisi donc de discuter, de parler du voile. Donc, il y a certaines personnes et beaucoup même de femmes portent le voile dans ce pays et même ailleurs. Donc, on a décidé d'inviter une CP qui, elle, est voilée. Et elle va nous rejoindre ici sur le plateau et elle s'appelle Jessica. C'est ravissant. Merci beaucoup de ça aussi. Merci, c'est gentil. La définition du voile a évolué. Avant, tu t'attends à une personne dans le strict minimum du style vestimentaire. Ouais. Mais toi, tu arrives, tu portes ton voile tranquillement et tu as ton look à toi, ton style à toi, ta personnalité. C'est tout à fait ça, c'est tellement bien dit. Porter le voile ne veut pas dire qu'on est démodé, qu'on est vieille, d'accord ? Le voile, c'est un choix personnel, mais il faut se sentir belle dedans. Moi, j'aimerais bien savoir si tu es musulmane, mais avant ça, j'aimerais aussi te connaître mieux. Donc, savoir c'est qui Jessica, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et comment t'es arrivée dans le club aujourd'hui. D'accord. Alors, Jessica Connet, c'est une jeune demoiselle passionnée de communication. Donc, je suis journaliste, présentatrice télé-radio. J'ai fait un bac D en 2018. D'accord. Ensuite, j'ai commencé à faire de la radio dans une radio confessionnelle en tant que chroniqueuse. Ensuite, je suis passée à la présentation. Depuis la classe de seconde aussi, je fais la présentation d'événements, donc panels, conférences, tout ça, tout ça. Et je suis encore étudiante en cours d'histoire à l'ISTC Polytechnique en tant que journaliste. Donc, et là, je crois depuis octobre, non, j'ai rencontré le boss Fabrice Aognon, voilà, qui m'a vue à l'œuvre. Et il a vraiment apprécié mon travail, donc depuis lors. Je suis au sein du groupe Live TV en tant que journaliste à la rédaction. Je fais aussi une petite chronique d'actualité dans le Grand Talk avec Brice et toute sa team lundi et vendredi. Voilà, elle fait beaucoup de choses. Oui. Notre CP voilée, elle est top. Franchement, ça ne nous surprend plus hein, parce qu'aujourd'hui, on reçoit tellement de CP cultivées et intelligentes sur ce plateau. Donc, ça nous fait que plaisir de vous recevoir ici. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais savoir, est-ce que tu es issue d'une famille musulmane? Oui. Je suis issue d'une famille musulmane. Mon père est musulman, ma mère également. Et est-ce que dans ta famille, il y a des femmes voilées? Donc, peut-être ta sœur aussi, t'en as. Je suis la seule à le mettre. Mes sœurs ne mettent pas le voile, ma mère ne met pas le voile. C'est un cheminement qui est personnel. J'ai commencé à mettre le voile en classe de seconde. J'avais 15-16 ans. D'accord, j'ai rencontré la religion, j'ai commencé à m'informer sur ma religion. J'ai lu le Coran et je me suis dit, pourquoi pas ma belle, quoi. Et est-ce que c'est ça qui t'a poussé à mettre le voile? Oui, c'est plus ça, parce que plein de personnes mettent le voile sans avoir les bonnes raisons. Quand tu vas poser la question à une demoiselle, pourquoi tu te voiles? Elle ne peut pas répondre, elle va te dire, c'est l'islam qui le demande, mais concrètement, pourquoi tu dois le mettre? Qu'est-ce que tu gagnes à le mettre? Elles ne le savent pas. Et ça crée encore beaucoup plus de conséquences très négatives, parce que si le voile, à côté du fait que ce soit un bout de tissu que tu mets sur ta tête, c'est aussi un comportement qui va avec. Voilà, donc c'est plus ça, et puis on est libre de faire nos choix, on vit notre vie, on met le voile, c'est vrai, on est croyant comme tout le monde, c'est comme un christianiste céleste qui est croyant, qui ne porte pas de chaussures, mais ça ne fait pas de lui un être humain abstrait, qui n'est pas intelligent, qui n'est pas cool, qui n'est pas heureux, en fait, on kiffe notre vie. Qui est borné à l'aimerie aussi et tout. Oui. Et là, on le voit en plus avec ton style, et ça fait streetwear. Voilà, c'est ce que je j'aime bien, ça fait streetwear avec le bonnet. En tout cas, je m'éclate, hein. J'ai pas de limite. Ça, là, ça se voit. Je mets les accessoires tant que c'est beau, que je suis confortablement habillée. Donc, si je comprends bien, à partir de 15 ans, tu as commencé à porter le voile. Oui, et moi, j'ai cru comprendre que dans la religion musulmane, on porte le voile à partir de 9 ans. Je sais pas si je me trompe. Non. Pour mettre le voile, il n'y a pas d'âge. Il y a des familles qui décident d'incorporer ça dans le style vestimentaire de leur petite fille. Donc elles auront de petits voiles assez mignons, elles vont se courir les cheveux. Mais progressivement, le plus important, c'est de transmettre l'information à l'enfant. De ne pas lui dire que c'est un ordre. Il faut lui dire pourquoi je mets. Parce que moi, je suis ta mère, je mets le voile parce que Dieu m'a demandé de le mettre. Et si toi, tu veux le mettre, tu le mets. Parce que l'enfant que tu contrains à mettre le voile, elle ne va pas rester sous ta coupole toute sa vie. Et quand elle va devenir majeure, elle va faire ce qu'elle veut faire. Donc ton rôle, c'est de plus partager le message plutôt que de lui imposer quoi que ce soit. Bien sûr, c'était cool.
dressing. Mais après, est-ce que c'est écrit dans le Coran que la femme musulmane est obligée de porter le voile? Ah oui, c'est un ordre divin. Ah d'accord. Oui, c'est un ordre divin. C'est une obligation. Oui, c'est une obligation pour la femme musulmane. Quand Dieu dit dans le Coran, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des prophètes de baisser leur regard et de rabattre sur elles leur grand voile. Ce sera ainsi un signe de chasteté pour elles. Et il y a plusieurs types même de voiles. Il y en a qui mettent le hijab comme moi, il y en a qui mettent la burqa, c'est-à-dire que tout le corps est fermé et on voit les yeux. Il y en a aussi, on ferme tout le corps et on ne voit même pas les yeux. Ça, on va appeler ça le niqab. Tu as ceux-là qui se disent respecter réellement les écrits, qui portent le voile intégral et qui trouvent que ceux qui ne le font pas touchent la religion à moitié. Alors, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui est demandé exactement de la part de Allah dans les écrits? Dans les écrits. En fait, c'est très simple, hein, le fait qu'il y ait des divergences, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et Dieu même nous dit dans le Coran que le fait qu'il y ait plusieurs divergences, c'est la manifestation de sa puissance. On ne peut pas toutes être d'accord, en réalité. Et quand, en fait, c'est normal. Vous allez voir une personne qui croit, mais qui estime que sa foi, c'est dans son cœur. Elle n'ira pas à la mosquée tout le temps, elle ne va pas tout le temps prier tous les jours, mais dans son cœur, elle se dit « oui, je suis en communion avec Dieu ». Il y en a une autre qui va par contre dire que oui, pour croire en Dieu, il faut vraiment aller tout le temps à la mosquée, il faut se couper du monde extérieur, et c'est un peu ça. D'accord. Mais dans toute chose, il y a des conséquences. D'accord. Et Dieu, il est savant. Il ne te demande pas de faire une chose d'une manière désintéressée. Il y a forcément une sagesse derrière. Et même le verset qui parle du voile va te dire après, ainsi vous serez vite reconnu et vous serez respecté. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, depuis que je mets le voile, j'ai des propositions qu'on ne peut pas me faire. C'est impossible. Même s'ils veulent le faire, le simple fait que je mette le voile, ça le freine. Ça bloque. Alors, est-ce que tout ceci-là, toute cette divergence-là, ça n'emmène pas des stigmatisations? Non. Je veux dire, avant, c'était un peu plus compliqué. Quand on voit une fille voilée, on m'a dit, j'ai des collègues qui m'ont dit, toi, t'es mariée, et ton mari? Alors que je ne suis pas mariée. D'accord. J'ai des personnes qui me posent la question, qui arrivent à me poser la question. Et moi, je salue ça. Moi, je dis, c'est très intéressant. Si tu as une question et que tu as des préjugés, viens me poser la question. C'est plus simple. Voilà. Parce que si tu restes, tu vas t'imaginer des choses et t'engouffrer dedans, alors que c'est loin de la réalité. Mais quand une personne me regarde et me dit, ah, mais tiens, Jessica, tu mets le voile. C'est ton mari qui t'a demandé de mettre le voile. J'ai pas de mari. C'est moi, je n'ai pas de mari. Mais ta famille, par rapport à ça, elle en pense quoi? Au départ, mon père, il était choqué. Il a dit parce que malheureusement, on est confronté à ce qu'on va appeler l'aliénation. Certaines personnes vont te gouffrer d'informations et vu que toi, tu ne vas pas chercher la vraie information, tu es dans un délire qui n'est même pas conforme à la religion. Et mon père, il m'a vu progresser, mettre le voile, il m'a dit, mon enfant, dans ma famille, il n'y a pas ça. D'où tu sors ça, tu te balades avec qui? Qui t'écoute? Et c'était à moi de lui dire que non, papa, t'inquiète pas, ta petite fille, elle est très réfléchie, elle sait ce qu'elle fait, d'accord? Et toi-même, tu vas constater. Tu as dit avoir commencé ta carrière à la radio. Oui, à la radio. Ensuite, il y a eu la télé plus récemment. Est-ce que le port de ce voile n'a pas été, je sais pas, un frein, n'a pas... Est-ce qu'il y a eu un désavantage à la chose? Oui. Hein, d'autres tentatives qui n'ont pas abouti? Oui, bien sûr, il y en a eu beaucoup. J'ai travaillé pendant 2-3 ans dans un cabinet ministériel où j'étais chargée de communication. On a fait beaucoup de missions politiques. Et il était question à un moment de faire de la communication du ministère. Et vu que j'étais la seule présentatrice du groupe, on me dit on a besoin d'une présentatrice, réunion de cabinet. Ok, Jessica, est-ce que tu peux enlever le voile pour présenter Et on va te dire, je dis non. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on pensait comme ça encore? Oui, et c'est une question qui est revenue devant tout le monde, en réunion de cabinet. Et toi, t'es assise, t'es gênée de dire aux autres que tu peux pas l'enlever, alors que t'as rien demandé. Et comment tu as introduit la chose? Je suis désolée, je veux le faire, mais je peux pas retirer le voile. Oui, en fait, moi, j'ai une approche qui est... Pourquoi même être désolée? Diplomatique. Oui, j'ai une manière... Pourquoi être gênée même? Parce que c'est ta conviction, c'est ta conviction. Non, elle est gênée de savoir qu'elle va pas leur donner ce qu'ils veulent, alors que j'ai les compétences pour le faire. Et c'est une chose que tu travailles, c'est une opportunité. Ouais. Tu vois une opportunité passer, et toi, tu es
essaie d'expliquer aux gens. Parce que l'un des soucis, c'est que nos sœurs, c'est vrai, elles ont des convictions, mais elles expliquent mal. En étant agressives, avec la mauvaise manière. Tu peux passer le message, mais si tu le fais de la mauvaise manière, tu as échoué. Mais ta communication a échoué. Je ne sais pas comment ça a été tes années lycée à toi, mais je pense que celles qui réagissent comme ça, c'est parce qu'elles ont subi beaucoup de railleries, beaucoup de stigmatisation lorsqu'elles elles étaient encore en train de suivre leur cours. Comment ça a été, toi, le port du voile à 15 ans déjà, pour une jeune lycéenne ou étudiante, de porter ce voile? Comment c'était avec les autres étudiants et même les professeurs, pourquoi pas? En fait, j'ai fait le lycée Simone Evie à Yopougon. Ah oui, j'y étais aussi. Oui, j'étais en seconde et là-bas, on se coupe les cheveux. Oui, oui. Et je me coupe les cheveux, je mets le voile, mais quand j'arrive à l'entrée de l'école, j'enlève le voile. Pour qu'elle vérifie. Oui, non, en fait, le voile n'est même pas accepté au sein de l'école. Oui, il n'est pas accepté au sein de l'école. Ah non, ça, donc, je suis pas d'accord. Oui, donc pendant tout mon parcours de lycéenne, j'arrivais devant l'école, j'enlevais mon voile, j'allais en cours et quand je ressortais, je le mettais et je partais à la maison. Et quand c'est comme ça, dis-moi, réellement, si une institution ou une personne te force à retirer ton voile, est-ce que dans un certain sens, elle prend un péché? Non. En fait, on va appeler ça une contrainte. En islam, on va appeler ça une contrainte. C'est-à-dire que c'est très important pour le musulman ou pour la jeune fille d'être informée, d'être éduquée. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'on te demande de mettre le voile, mais c'est momentané. Tu ne vas pas faire cette école-là toute ta vie. Donc, si tu fais la comparaison entre ton voile et ton éducation devient prioritaire. Donc, à ce moment-là, ta religion t'autorise à l'enlever parce que c'est une contrainte. Okay. Et moi, je l'ai fait pendant 3 ans, seconde, première, terminale, mais après, c'est fini. Aujourd'hui, je le mets entièrement. Et tes amis, ils en pensaient quoi quand si, bon, faut savoir que moi, en même temps, j'ai pas mal de caractère et je n'impose rien à personne. C'est-à-dire que mon accoutrement, ma manière d'être peut te déranger, mais c'est ton droit. À quel moment je suis obligée d'être aimée? Je m'en fous, en fait. Donc, d'accord. À l'école, c'était « Ouais, toi, tu sers à rien parce que tu l'enlèves, on voit ta tête, pourquoi tu le mets dehors ?» On s'en fout. C'est pas sacré. Voilà. Et moi, je le regardais, moi, je lui disais « Mais en quoi ça vous regarde? Je porte mon pantalon, c'est toi que ça sert ?» Mais justement, est-ce qu'intérieurement, il n'y avait pas un peu de ressentiment par rapport aux parents sur le choix de l'école? Vous savez que je porte le voile, alors pourquoi ne pas trouver une école où on m'accepte telle que je suis? En fait, est-ce que en vous pas. Avez eu cette conversation avec les parents? Non, je n'ai pas grandi dans une famille où c'était tout le temps islam, islam, islam. Oui. D'accord, donc papa, lui, c'est vrai, tu as fait ton choix, ok, mais à quel moment, moi, ça va influencer mes choix pour toi? Je t'ai dit d'aller dans cette école, ce sont mes moyens. Si tu es trop fâché, tu travailles plus, tu prends ton argent et tu vas dans l'école où tu veux. Tu vois, et c'était tranquille. Non, mais clair. Moi, j'avais une approche très, très douce parce que quand tu connais ta religion, tu sais que c'est une religion de paix et que c'est Dieu qui te permet de faire tout ça. Il veut ton bien. Et tes parents, eux aussi, veulent ton bien. Donc, tu n'as pas à rentrer en conflit avec eux. Donc, c'était vraiment très pacifique. J'allais à l'école, il fallait plus produire des résultats parce que je suis une personne très amoureuse de la connaissance. Si tu veux m'attirer quelque part, mets de la connaissance. Je brave tout, je m'en fous. Mais insulte-moi, mais je vais chercher ce que je suis allée là et je m'en vais. Excuse-moi, je veux revenir à cette notion de priorité dont tu parlais. L'enseignement prend le pas sur le voile. À quel moment est-ce que c'est légitime pour la femme voilée de dire je proteste pour qu'on me laisse porter mon voile sans problème? C'est-à-dire, je me reprends, elle va dans une institution pour faire des papiers, par exemple. Et à l'entrée, on lui dit non, vous êtes voilée, vous ne pouvez pas entrer. On a vu des cas de femmes qui se sont assises, qui ont protesté, non, je veux qu'on assume et qu'on accepte le port de mon voile. Je veux pouvoir rentrer avec mon voile. Est-ce qu'à ce moment-là, quel est le bon choix à faire? Rentrer, retirer le voile, partir faire les papiers parce que les papiers, enfin cette cause prend le pas sur le voile, ou alors à un moment donné, elles ont raison, c'est à raison qu'elles doivent manifester pour dire c'est mon voile, je dois y rentrer. Au départ, je suis allée faire mon passeport, je devais effectuer un voyage sur la Guinée, et j'arrive, la dame me dit... oui, vous êtes voilée, vous devez enlever votre voile. Et je lui dis, d'accord, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que je ne comprends pas. J'ai quelques informations sur mes droits quand même. Et à aucun moment, on stipule que je ne dois pas mettre le voile. Et là, elle va t'expliquer qu'on doit voir tes oreilles. Sur la photo, du passeport, vous voyez les oreilles. Là, elle m'explique qu'on doit voir les oreilles. Mais le fait qu'on doit voir tes oreilles et le fait que tu dois enlever le voile, ce n'est pas pareil.
À ce moment-là, j'attache mon voile de sorte qu'on aperçoive mes oreilles. Mm-hmm. Et je m'assieds, on prend ma photo, je me barre. Donc elle était d'accord avec le fait de garder, de maintenir le voile tant tel on est qu'on voit. Mais l'obsession, mais il faut communiquer. D'accord. Il faut pas faire du bruit, il faut pas scander, il faut pas insulter, non. Elle te dit, mademoiselle, vous êtes voilée, sortez, et tu essaies de comprendre. Ouais, ça a été très diplomatique. Mais est-ce que, après, c'est pas dû au fait qu'il y a beaucoup de polémiques aussi sur les femmes voilées, parce qu'il faut pas qu'on cache ce côté-là. Ouais. Il y a beaucoup de femmes voilées qui font des choses qui sont pas vraiment catholiques. Est-ce que c'est pas dû à ce fait-là que les gens ont des polémiques? On en parlera tout à l'heure. On va regarder juste une petite vidéo et on revient. Lorsqu'on porte le voile, ce voile, il doit couvrir le cou, la poitrine. Et il doit aussi ne pas être transparent ou il doit aussi être conforme à ses règles et non pas être un voile qui provoque et qui attire. Il y a certes le tissu, le voile qu'on porte sur la tête, mais il y a la tenue aussi qui va avec. Ça n'est pas juste le tissu sur la tête. Le vêtement ne doit pas être transparent, il doit être opaque. On ne doit pas voir le corps de la femme à travers. Alors tout ce qui est legging, tout ce qui est tunique courte, eh bien l'islam n'a pas légiféré ainsi. À nous de bien comprendre ces deux règles, de comprendre que le voile aussi, c'est couvrir la beauté de la femme et ne pas dévoiler la beauté. Il y a le comportement qui va avec, il y a une éthique qui va avec, il y a une pudeur qui va avec, il y a des choses qui se font. Et il y a des choses qui ne se font pas. Attention à l'effet de mode, attention à suivre le move. Même si la plupart le portent ainsi, à nous de nous démarquer en étant sur le droit chemin et satisfaire uniquement Sa Majesté. Qu'Allah vous facilite, on a besoin aussi dans la communauté des femmes fortes, soyez fortes. Eh bien, même s'il y a des critiques, même s'il va falloir résister à la mode, on peut s'habiller à la mode. Mais la mode, elle doit être conforme aux règles de l'islam. Ce n'est pas à l'islam de se conformer à la mode. Barakallahu fikoum, bon courage à toutes mes sœurs. Qu'Allah vous facilite cet acte, ce bel acte d'adoration. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, elle l'a si bien dit, elle a donné quelques règles pour porter le voile. Mm-hmm. Donc, notamment, ne pas... Il ne faudrait pas que la tenue soit transparente, elle soit trop moulante. Elle a signifié, il ne faudrait pas que ce soit une tenue qui va attirer. Est-ce qu'on a le droit de se maquiller ou même mettre des faux cils? Oui, dans la mesure où il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qui soit permanent. Moi, tout de suite, je finis l'émission, je l'enlève. Okay. Parce que je dois faire la prière après. D'accord. Et quand on va parler même de faux ongles aussi, c'est pareil. L'objectif, c'est de ne pas associer un truc à ce qui est naturel. Et quand tu vas faire tes ablutions pour la prière, ça ne touche pas tes propres ongles ou tes propres cils. Ou je veux dire la nature de ce que Dieu t'a donné. Donc, c'est-à-dire que tes ablutions, ils sont nuls. Alors que tu dois les faire à chaque fois que tu fais la prière. Donc, si... tu as des ongles qui couvrent tes vrais ongles ou tu as des cils qui te permettent de ne pas bien faire ton ablution, ça fait que tes ablutions ne sont pas conformes et ta prière ne sera pas non plus conforme. Voilà, on apprend beaucoup aujourd'hui dans le club, donc ne bougez surtout pas, on revient juste après la pub. On continuera donc avec J'ai choisi de porter le voile avec Jessica. Donc à tout à l'heure. Et elle a dit une chose qui est très très importante, c'est de ne pas suivre l'effet de mode. Et après, on s'y perd. Le choix, c'est de le mettre. Mais pour qui tu le mets? Est-ce que tu le mets pour les beaux yeux de quelqu'un? Et la personne va te dire, mais ton voile, c'est pas très beau, tu peux le remonter un tout petit peu. Est-ce que ça peut être un peu plus moulant? Quand c'est comme ça, c'est chic. Et à ce moment-là, tu te perds. Ouais, tu es en train de dénaturer.
Mais quand c'est comme ça, est-ce que quand on est une jeune femme, je suppose que vous êtes une jeune femme, oui. Donc est-ce qu'on arrive à vivre avec son temps? Est-ce qu'on arrive à être dans la mode, d'avoir un flow? Oui, je crois que je suis l'exemple. Elle est voilée, mais avec un bonnet, notre CP voilée. Voilà, je suis l'exemple même de cela. En même temps, ça reste très relatif. Ça va varier d'une personne à une autre. Une personne va estimer que telle chose est stylée et à la mode, tandis qu'une autre personne va dire non, c'est une question de goût. Voilà, mais c'est important d'avoir les informations de base. Tu as décidé de mettre le voile, mais est-ce que tu as informé sur ce voile? Est-ce que tu sais ce que ça représente? Est-ce que tu connais les critères de validation du voile? À côté de ça, tu t'adaptes. Et au-delà du physique, quand on parle de rester dans son temps, c'est aussi avoir des amis, faire des sorties. Est-ce que tu fais tout ça, toi? Oui, et bien où est-ce sûr. Que tu ne peux pas aller? Je ne peux pas aller dans un bar. En même temps, ça n'a rien à voir avec le voile. C'est plus niveau islam. D'accord. Okay. Quand on va parler d'endroits où l'alcool est consommé, c'est pas une chose qui est autorisée en islam. Voilà, les femmes musulmanes, elles sont comme tout le monde. Elles dansent, elles s'éclatent, mais elles doivent pas forcément le faire devant tout le monde ou dans un endroit où il faut avec des musiques qui sont assez perverties, des paroles obscènes qui sont dites dans ces musiques-là. Okay. Non, elle peut s'éclater, elle peut danser, et je sais de quoi je parle. Mais chez moi, à la maison, je suis tranquille, je suis épanouie dans mon chez-moi, mais je ne vais pas forcément aller dans un bar, dans un endroit public, danser pour faire croire aux gens que oui, moi aussi, je le fais. Et au-delà de la danse, est-ce que si tu as faim, tu peux aller dans un maquis où il se trouve que c'est fait pour manger, mais on commercialise également de la bière? Oui, tu vas aller manger, mais sur ta table, il n'y aura pas de l'alcool. Il ne doit pas y avoir. Mais tu peux te retrouver dans un tel endroit. Oui, oui. Généralement, c'est des plein air. Oui. Vous avez des plein air, vous partez, je sors avec mes collègues. Et la musique mondaine qui passe entre temps. Oui, bon, la musique mondaine, ça peut passer, mais est-ce que c'est pour toi que la musique... Est-ce que ça ne pas les oreilles déjà? Parce que là, moi, je suis choquée, là. Tu ne peux pas aller dans un endroit, écouter ce genre de musique, ne pas faire ci. Mais souvent, tu vois des femmes qui sont voilées, qui fument, par exemple. Oui, la religion, elle est parfaite, mais l'être humain ne l'est pas. D'accord. C'est très important de dissocier ces deux entités. C'est-à-dire que la femme qui met le voile, elle n'est pas parfaite du tout. Elle essaie, elle tend vers la perfection. En même temps, on est tous peut-être croyantes. On sait très bien que la perfection ne fait pas partie de ce monde. Donc, quand une personne pose des actions qui sont contraires à la religion, il ne faudrait pas affilier ses actions directement à la religion. La religion, elle est parfaite. Dieu l'a parachevée. Il a donné toutes les informations. Mais la personne qui exerce cette religion, elle est imparfaite. Donc, elle va faire des péchés. Et Dieu même, il nous dit qu'il aime ces personnes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait qu'on a des défauts, on a des limites. Il aime le croyant qui fait des fautes, mais qui revient demander pardon devant son Seigneur. Mais pour savoir cela, il faut faire la différence entre les péchés. Dans toute chose, il ne faut pas généraliser. Il faut prendre le temps de profiter de la personne en face. Moi, je ne connais pas Nikki. Moi, je suis à Life TV, je passe sale, coucou, ça va. Mais je ne dirai pas des choses sur Nikki que je ne sais pas. Si j'entends des choses sur Nikki qui m'intéressent et que je veux avoir confirmation, coucou Nikki, ça va? Ah, il paraît qu'elle va me dire, ah bon? Mais qui t'a dit ça? Mais non, je ne fais pas ça. Et c'est tout, tu as levé le voile. Et c'est en combien de secondes? Nikki ne va pas te mettre un pistolet sur la tente. Donc, c'est pareil, tu rencontres Jessica, une fille qui vient d'arriver. Ah, une fille. Ah, les filles voilées, elles ne parlent pas. Ah, les filles voilées, elles sont impolies. Ah, elles sont supérieures aux autres. Mais quand tu vas venir, mais Jessica, c'est comment? Donc, toi, tu ne te mélanges pas avec nous, quoi? Et j'ai toi, dis-tu, je ne me mélange pas. En réalité, les gens doivent apprendre à être pragmatiques et authentiques. D'autant plus qu'il y en a qui ne se voilent pas, mais qui ne se mélangent pas. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais très souvent, comme il y a des femmes qui le font, on généralise. Oui. Et ça fait partie de nos plus grosses erreurs. Venez demander ces quelques secondes, on ne va pas éclater la tête de quelqu'un. On va juste prendre plaisir à donner la bonne information parce que c'est ça que vivre dans la société. On est mélangé à tout type de personnes. Et quand une personne vient me voir, « Ah, t'es mariée? Est-ce que c'est pour ça que tu mets le voile ?» Moi, je prends plaisir à lui dire, « Non, j'ai pas de mari. Ça va, c'est moi qui ai décidé de le mettre. T'inquiète. » Donc, si on comprend finalement, le voile, c'est une... Oui, c'est... C'est un choix personnel, c'est un cheminement. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le hijab. Demain, si ma foi elle évolue et que je décide, moi, de mettre le niqab, de plus montrer mon visage, ce sera mon choix. Mais pour toi qui es journaliste, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ton métier déjà? Une chose qui me caractérise, c'est que la vie, c'est une question de choix.
D'accord. Quand tu décides de mettre le voile intégral, il faut savoir que tu ne pourras pas faire certaines choses. Alors, j'ai envie de savoir, maintenant, on va parler des prétendants, parce que tu restes une femme pas encore mariée. Oui, c'est vrai. Avec ce voile-là, quel type d'homme t'approche? Est-ce qu'il y a parfois des hommes chrétiens qui s'intéressent à toi, qui t'approchent et peut-être, ou du moins, veulent faire des choses sérieuses avec toi, ou c'est un type de profil fixe qui, en général, vient vers toi? Non, il y en a de tous les types, honnêtement. Des croyants, des non-croyants, des chrétiens, des bouddhistes. Des non-croyants, oui, mais c'est un peu croustillant. Notre CP voilé, là, c'est un peu croustillant. Mais honnêtement, ça, c'est sûr. Hein. Mais tu te dis qu'ils ont quoi en tête, alors, du coup, le non-croyant, surtout Oui. En fait, ça dépend de la proposition que la personne te fait. Ce sont des propositions indécentes? Oui, il y en a. Tu peux nous donner une anecdote? Une anecdote, pardon. Sûr. J'étais encore CERCOM dans un ministère dont je vais taire le nom. Vous collaborez avec tout type d'hommes, vous partez en mission, c'est-à-dire vous dormez hors de chez vous. Il y a des personnes qui ont « Ah oui, ça va ». Et un jour, on m'appelle, on vient dans mon bureau, « Mademoiselle, vous êtes demandée par tel monsieur ». Je dis « Ah bon ?» Et je vais dans le bureau, je vois que je m'assieds et il est en train de fermer son bureau à double tour. Dans ma tête, en général, je suis plusieurs dans ma tête. Il est courageux. Avant d'ouvrir... Attends, ça a percuté dans mon cerveau. Il a fermé le bureau à double tour. Tu vois, et à l'intérieur, je me dis, en fait, je suis une folle. Normalement, je casse la barbe. Je dis, Jessica, calme-toi. T'as pas encore toutes les raisons de péter les plombs. Respire, demoiselle, ok? Respire. C'est déjà assez, non? Oui. Et je m'assieds. En même temps, c'est un collaborateur. Et généralement, c'est des personnes qui sont assez manipulatrices. Si tu n'es pas devant les faits accomplis, ils vont Il va te dire, mais qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu racontes? Un courant d'air. Voilà, je voulais juste voir si la porte fonctionnait. Ouais. C'est tout. Oui, oui, non, c'est pas faux, oui, les personnes sont comme ça. Et moi, je suis très calme, je suis assise. Mais c'est quoi la suite? Et Il se rapproche de moi avec son siège. Et moi, je dis... Ah, mais... même moi sans voile, là, tu fais ça. Tu fais ça. Et qu'est-ce que tu lui dis? Et je dis, mais il dit, en fait, ça fait longtemps que je veux te dire ça, mais honnêtement, je te trouve trop intelligente. Tu dégages quelque chose, tu es très belle. Et je précise qu'il est marié, il a des enfants. Non, en fait, quand tu disais ça, je voulais dire peut-être qu'il veut demander en mariage. En fait, pour lui, il veut une tisa. Et c'est une tisa. Voilà. Lui, là, c'est pas un poteau. Je vais pas dire poteau. J'avoue que. Il est culotté. Sur Internet, j'ai vu certaines choses. Je trouvais ça incroyable et aberrant. Mm-hmm. Mais il y a vraiment des personnes qui ont un genre de. Fantasme de vie. Qui court dans ce sens. Et encore, tu fermes la porte et tout. Tu te cales devant. Oui. Même si tu veux demander, tu peux demander. Franchement, est-ce que c'est comme ça, on demande Chiza? Comme Chiza, oui. En fait, et moi, je me connais, je suis très calme, j'aime pas manquer de respect. Et je dis, honnêtement, je vous respecte beaucoup, je connais votre époux, je la respecte beaucoup. Mais est-ce que ce que vous faites là, est-ce que ça l'honore? Il dit, non, mais tu parles de quoi même? Laisse ça, tout ce qu'on va faire comme ici, on peut pas discuter, j'ai ma résidence là. En week-end, je voulais savoir. Mais ta garçonnière en plus. Allons doucement, tu savais qu'on pouvait pas discuter, mais tu as essayé quand même. Oui, de fermer la porte. Et puis pour me donner rendez-vous dans dans sa garçonnière. Et moi, je suis très directe, je dis, ah mais pour aller discuter, il dit oui, juste pour discuter. Je dis ok, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il s'est énervé. Merci. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es trop Djoula. Et moi, je dis, je peux partir? Bonne soirée, je suis sortie. Mais depuis et la ce clé, jour, il a laissé. Oui, justement. En fait, moi, dans ma tête, c'était il allait me pousser. Vite brutaliser. Et me brutaliser. Mais Dieu merci, la porte, il y avait encore la clé. Et je me suis levée, mais je vous jure, je tremblais. Mais c'est normal. Je me disais, mais en fait, j'ai un sang-froid, mais dans ma tête, je panique. Mais oui, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai des amis qui ont vécu des choses pires. Oh là là. Qui mettent le voile. Des amis voilés aussi. Oui, oui. Okay. Moi, j'étais dans un véhicule avec un collègue qui est en train de conduire. Il dit oui, oui, on rentre, on descend, donc je te dépose chez toi pour t'économiser de l'argent du taxi. Et la personne est en train de conduire et sa main glisse tout doucement Franchement. Pourquoi ce type d'approche? Après, l'homme, il est toujours attiré parce qu'il ne peut pas avoir. Ouais. Oui, mais pourquoi il est en perpétuelle recherche. Faut parler. Dis juste que les gens se foutent. Elle est choquée. Et j'ai toujours des remarques en mode, India, tu portes les gros trucs, mais... Il y a le potentiel. Tu caches quoi? Il y en a qui réussissent à dire ça. Ils vont te le dire, ils vont dire, oh, mais c'est mais ma petite. Mais ils ne se sentent même pas gênés, ils n'ont aucune gêne. Et c'est quelque chose qui me choquait avant. Moi, je me dis, tu peux le penser, tu ne peux pas empêcher une personne de penser. Mais avoir le cran de le dire, en plus, en public, sans gêne.
Mais c'est curieux parce qu'une femme qui ne se voile pas, il va trouver des manières de lui dire qu'elle a une belle forme. Oui. C'est-à-dire, ah, tu es bien, Antonella. Là, mais c'est chape. Maintenant, la femme voilée, on sent qu'il y a le potentiel. Ça devient tout de suite trop. En fait, c'est agressif. Oui, c'est macabre. Voilà, elle ne peut pas changer la nature de l'homme, c'est ce que ça veut dire au fait. Et le nombre de messages que je reçois au mode de. Ils ont des fantasmes. Avant, je ne croyais pas, mais maintenant, c'est clair. Ils sont croyants ou pas, ils vont te dire, mais attends, qu'est-ce qui se cache derrière? Dis-moi, est-ce que tu as des cheveux? J'ai un ami chrétien, il m'a dit, s'il te plaît, je te donne tout ce que je veux voir. Je veux voir. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est ce mythe-là, en fait, qui les excite. Est-ce que je peux te toucher? Est-ce que les femmes voilées sont chauves? On a assisté à de nombreux changements de ces femmes-là qui, auparavant, étaient voilées, mais ont décidé un bon jour de retirer leur voile. Quelle est ta vision sur ces cas-là? En fait, c'est quelque chose qui est vraiment normal. La foi, ce n'est pas une chose qui est statique. Et ça balance. Parfois, la foi monte et elle descend. D'accord ? Et ça arrive à tout le monde. La sœur, elle a eu une montée de foi, elle s'est sentie proche de Dieu, elle s'est sentie prête à mettre le voile. Mais cette foi-là, elle peut dégringoler, elle va descendre. Et ça peut être en raison de plusieurs réalités. Ça peut être le travail, ça peut être les épreuves. Mm-hmm. Surtout, quand ta foi est très, très éprouvée, tu es fatigué, tu refuses de réfléchir, tu es épuisé. Et ça arrive. Et il faut savoir que comme tout le monde, le diable, il n'est pas content quand tu es proche de Dieu. Donc, il rôde, il te tente. Et quand tu décides de mettre, parfois tu te regardes devant le miroir, tu vois que tu as une longue chevelure, et il te dit, mais tu es trop belle pour fermer ça. Et malgré que ça fait 10 ans que je mets le voile, ça m'arrive à moi aussi. Il y a des voix qui vont te parler. Tu es devant, mais tu es trop belle, regardez ces cheveux. Mais c'est Dieu qui t'a donné, pourquoi tu fermes? Et ça se fait progressivement. Vous allez voir la sœur qui est enlevée, elle ne va pas le faire systématiquement. Elle va commencer à mettre un bonnet où on voit son cou. Après, elle va monter son pantalon, on va voir un peu ses jambes. Elle va plier un peu ses manches. C'est petit à petit. Oui, et après, elle va mettre des boucles d'oreilles, on va voir ses oreilles. Et après, elle va se dire, le voile, c'est juste les cheveux. Et après, elle va attacher un foulard. Mais justement, vu que le diable est dans la tentation perpétuelle, est-ce que toi, ma CP voilée, demain, si justement en couple, par exemple, et un homme te demande de te voiler intégralement comme ça, est-ce que tu pourrais le faire pour lui, au fait? Non. Avant ta foi. Ouais, ça, c'est impossible. Et ça rentre vraiment dans le même cadre que le fait qu'on dise qu'une fille qui est voilée, elle est mariée, elle le met pour son mari. C'est un cheminement qui est personnel. Si je le mets, le mari là pourra même pas me bénir pour l'action que je fais. Quand on va arriver chez Dieu là-bas, je dis Dieu, j'ai mis le voile pour mon mari. Dieu va dire, mais va chercher la bénédiction auprès de ton mari. Moi qui donne. Est-ce que tu as des critères pour ton futur mari peut-être? Oui, j'ai des critères. Il doit être croyant. Ok. Voilà, j'accorde un intérêt particulier à la spiritualité. C'est-à-dire au-delà des religions, il faut avoir une relation avec Dieu. D'accord. Faut prendre de la hauteur sur ce monde. Donc parce que c'est ne pas être musulman. Si, ça c'est obligé. En fait, en islam, la femme musulmane doit épouser impérativement un homme qui est musulman. D'accord. Mais l'homme qui est musulman peut épouser une femme qui n'est pas forcément musulmane. D'accord. Donc c'est autorisé pour un homme d'épouser une femme chrétienne, mais c'est pas autorisé pour une femme d'épouser un homme. Même si le chrétien te plaît, out. C'est pas un et qu'il est très croyant. En fait, je suis une fille très raison. Donc, d'accord. Une fois que tu es chrétien, tu vas me plaire. Tu vas faire comment même? Okay. Et tu vois pas. Ça, on sait jamais. Peut-être ton père, c'est un chrétien. Ah. Justement. On dit jamais. En même temps, je suis très jeune. Est-ce que je suis très jeune? Donc, je ne peux pas parler à beaucoup d'expérience. Ouais. Donc, je peux dire des choses qui sont basées sur mes réflexions, mais après, la réalité, c'est autre chose. Si. Donc, à chaque fois, je précise, je suis très jeune. Il y a des choses que j'ai sacrifiées. C'est-à-dire que moi, avec mes objectifs de travail, je voulais atteindre un idéal. Donc, je me suis fermée certaines choses. Copain, copinage. Franchement, c'est pas plus mal. Oui. Mais on va y aller pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. Ne bougez pas. Du club, nous sommes donc avec Jessica. Alors, c'est très joli. Et comment on appelle ça? Est-ce que ce sont des chansons ou il y a un autre mot? Oui, en arabe, on va appeler ça des nashids. Nashid. Okay. Oui, on va connaître plus du Mahar Zayn. C'est très arabe. Okay. Oui, mais en français, on va appeler ça des cantiques.
Donc c'est des sons, c'est de la musique, mais avec des paroles qui vont parler de la religion. Et comme ce qui vient de passer, ça c'est aliment. Oui, oui, moi je comprends pas du tout Djula. Okay. Mais ça, au moins, en fait, c'est... Ça on connaît un peu super. Parce que... Voilà, quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire, en tout cas, c'est l'attestation de foi. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Ouais. Quand on dit Muhammadur Rasulullah, Mohammed est son messager. C'est en tout cas, elle est belle. Elle l'a mis ça, elle est belle. C'est simplement notre rubrique préférée. Je ne sais pas si tu connais, c'est Inbox. Et on y va là, maintenant, tout de suite. D'accord. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on a reçu plein de messages. Oui. Donc, on a hâte de les ouvrir. Donc, on va y aller pour le premier message. Salut les tontis de ma chaîne préférée. J'adore cette émission de Ouf le Club. Niki, mon petit préféré, je l'aime trop. Antonella, la plus belle skinny de Côte d'Ivoire, je l'adore. Esther aussi, c'est femme, hein? Je te kiffe, tanti. Bisous à vous là-bas et retenez que je suis un garçon, donc c'est pas uniquement l'émission des femmes. Ouais, oui, ça n'a jamais été uniquement l'émission des poto, femmes. On t'adore. Ici, c'est pour les CP et les potos. Oui. Et oui, on t'adore. Allez, alors, prochain message. CP. Allez, coucou les CP, moi c'est Noël Madou. Juste vous dire que j'adore votre émission et surtout le sujet qu'il y a eu sur la dépression. C'était comme s'il s'adressait à moi. Que Dieu vous donne la santé et la force pour toujours nous mettre plein les yeux. Bisous, bisous. Oh, allez, toute bisous. En plus. Bisous CP chou, on est contente que l'émission ait pu te faire du bien. Voilà, c'était le but. Et ça veut dire que le message est passé. Puis, ouais, on a eu beaucoup de la vie, ma chérie. Hashtag je parle, voilà. Ils seront diffusés bientôt. C'est ça, comme Esther l'a dit, profite de la vie. La vie est courte. Au prochain, donc salut à vous les CP du club. Moi, c'est Olivia, je vous suis depuis la ville Korogo et je kiffe votre émission. Vous êtes toutes belles. Esther, tu as un corps vraiment magnifique. Antonella, j'adore ton style vestimentaire. Niki, la fille du peuple, j'adore l'énergie positive que tu dégages sur le plateau, plein de cœur. Et je kiffe grave ton joli petit visage d'ange. Je serai un jour ravie de participer au relooking. Je vous souhaite un bon début de semaine avec plein de bisous. Yes, je me sens plus. Ouh. Attendez, j'aimerais mon joli petit visage d'ange. Elle ne marche pas. C'est le sol qui la porte. Oui. Je t'adore, CP. J'adore aussi toutes les CP et les photos si du club. Ange là, c'est bon hein. Parce que quoi? Vraiment ce qu'elle nous montre ici là, c'est vrai. Tournez là, je suis pas un ange moi. Bon, comme bien il a pas dit que tu es un ange, j'ai dit tu es visage d'ange. Non mais merci, du moins elle, c'est très gentil, merci à toi, tu es très jolie également. En plus elle est très mignonne. Oui, elle est très mignonne et elle porte super bien son voile, oui. Tout comme notre CP d'aujourd'hui, donc Jessica. Ben voilà, merci beaucoup pour ces messages, on vous fait plein de bisous, envoyez-nous plein encore. Et donc là maintenant on a reçu aussi des vidéos, donc on va regarder sur le port du voile. On regarde tout de suite. Hello, bonjour à tout le monde, je suis Awa Bakayoko et je vais vous partager mon expérience personnelle avec le hijab. Alors moi j'ai commencé à me voiler quand j'étais en classe de 6e et jusqu'à aujourd'hui mon hijab est mon compagnon de vie et mon compagnon de route. En termes d'opportunités, j'ai eu de très belles opportunités et le hijab n'a aucun moment été un frein pour moi. Je suis dans le domaine de la communication, du journalisme et également dans le domaine du doublage de voix. Alors c'est vrai que c'est un domaine où on voit beaucoup plus de personnes qui ne sont pas en hijab, c'est vrai que c'est l'habitude. Mais je pense que de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment des personnes qui ont de la graine, il y a des personnes qui ont du talent. Et il ne faut pas seulement se limiter au hijab que la personne porte, mais il faut aller bien au-delà. C'est-à-dire regarder les compétences, regarder les aptitudes, regarder les connaissances de la personne. Et pour moi, le voile n'a été à aucun moment une grosse difficulté. Par contre, j'ai eu des proches qui, malheureusement, ont rencontré des difficultés avec leur hijab, soit à certains entretiens d'embauche ou encore face à certaines opportunités. Moi, ce que j'aimerais dire, que ce soit à la société ou encore à mes sœurs qui se voilent, sachez que nous sommes dans une société où on ne demande, où on ne recherche que les meilleurs. Alors que tu portes le hijab ou non, en tant que femme, tu dois te démarquer, tu dois te dire que tu dois être la meilleure. Et à partir de ce moment, je pense que le hijab ne sera plus un problème, parce que de plus en plus, quand on avance, on recherche des personnes qui peuvent et qui ont la capacité, la poigne de faire ce qu'on demande. Se limiter simplement, je dirais, aux vêtements d'une personne, c'est stigmatiser cette personne si vraiment on a limité par rapport à un certain nombre de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un certain niveau qui permettrait de ne plus être dans ce genre de perception, de ne plus être dans ce genre de pensée. Ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que on ne devrait pas se limiter au hijab,
car il reste un vêtement et chacun de nous a le droit de porter ce qu'il veut. Et je pense qu'il n'y a pas de débat sur cela. Par contre, il serait bien de laisser les gens s'exprimer comme ils le veulent, avec hijab ou non. Mais c'est très important surtout de montrer aux gens qu'ils n'ont pas à être stigmatisés, ils n'ont pas à être martyrisés parce qu'ils portent un hijab, un vêtement que eux et leur religion demandent, que eux respectent. On attend plutôt de la société qu'ils aient un regard plutôt bienveillant envers ces personnes et surtout de nous juger sur nos compétences, sur nos aptitudes, sur ce que nous pouvons apporter de beau, de vrai, de grand à notre société et bien sûr à notre entourage. Donc à toutes les personnes qui nous suivent et qui suivront aussi cette émission, sachez que le hijab n'est en rien un frein ou une difficulté pour nous, bien au contraire. Bonjour, je suis Mariam Nouria Kone, ingénieure en génie informatique et réseau. Je mets le voile depuis 2012 et j'ai décidé de mettre le voile lorsque j'ai compris que c'était une obligation religieuse. Et que c'était pour mon propre bien. Les difficultés que j'ai rencontrées, donc naturellement au début c'était au lycée, il y avait forcément des remarques un peu méchantes et tout ça, mal placées. Dans le point de vue professionnel, vu que je suis informaticienne, j'ai moins de challenges que la plupart des femmes qui mettent le voile professionnellement, vu que bah voilà, j'ai pas besoin de rentrer dans un canevas spécifique de ce à quoi je dois ressembler. Je connais beaucoup de femmes par contre qui rencontrent des difficultés par rapport au fait qu'elles ont des job client facing, en gros qui sont toujours face aux clients, et certaines entreprises estiment que pour être face aux clients on ne doit pas mettre le voile, on ne doit pas, etc. À mon niveau, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bon, j'aime qu'on se focus sur mon intellect plutôt que sur mon apparence, et lorsqu'on n'a pas d'autre choix que de se concentrer sur mon intellect, parce qu'on ne peut rien voir d'autre du coup, on se concentre sur mes aptitudes, sur mes compétences et sur ce que je suis capable de faire. Et c'est ce qui compte pour moi. Donc derrière, ça me donne la possibilité d'impacter comme je peux, parce que je suis aussi tech entrepreneur. Je suis une alumni Mandela Washington Fellowship. Je reviens à peine de Davos. Ça veut dire que je ne pense pas que ce soit un frein. Je suis Tourimine Ramatou, étudiante juriste, et le port du voile est une décision personnelle. Je le porte depuis 5 années et je suis épanouie. Au niveau de la société, je n'ai pas véritablement de problème à m'intégrer parce que j'ai des amis musulmans comme des amis non musulmans. J'ai des amis musulmans qui se voilent comme il y a d'autres qui ne se voilent pas. Pour ce qui est du niveau professionnel, je n'ai pas également de soucis à m'insérer parce que je considère le voile comme un vêtement qui n'empiète en rien en fait sur mes connaissances et mes compétences. Ah bravo! Ça veut dire qu'on peut être voilée, intelligente et faire tout ce qu'on veut, quoi. C'est même pas un frein. Voilà, donc, c'est pas un frein. Et ces femmes voilées font la fierté de notre de leur pays, race, oui, de leur religion, de tout, ouais, à la fin. La preuve, aujourd'hui, tu es ici et tu travailles même à Live TV, donc oui. La preuve, c'est problème. Vraiment pas un frein. À chaque fois, je le dis, on a la tête couverte, mais pas le cerveau. Mm-hmm. C'est clair. Très bien dit. On te choue. J'ai bien aimé, hein, franchement, c'est bien dit. Le cerveau, il est très aéré, rassurez-vous. Non, n'ayez pas peur, hein. Si vous voulez vous voiler, ne croyez pas que ça va vous freiner dans votre choix de carrière. Non, allez-y, foncez, c'est votre foi. Ouais. Ça n'a rien à voir à côté avec ce que vous voulez atteindre socialement. Mm-hmm. Non. C'est exact. Ouais. Et voilà, donc on va suivre, hein, la logique. On finit inbox, on passe au budget serré. C'est qui est passé dans le budget serré? C'était pas moi, mais c'est qui? It's me! Ok! Oui! Non, c'est parti, on regarde. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien parce que je suis au marché de Belleville et comme vous le savez. C'est combien? C'est combien? C'est mieux. Combien? Faut diminuer, pardon. Tu veux pas aller ça à 4 000? Voilà, j'ai trouvé mes chaussures. Franchement, elles sont très très belles. Je suis très contente. Donc, il va me rester 2000 francs pour les accessoires. Je pense et je suis même sûre que je vais trouver quelque chose. Ça a combien les boucles là? Pardon? Ça a combien les boucles? Ça, c'est mes. Ça,
à Dieu, mais sur la fin d'être humain. Ici, c'est 2000. Non. Ça. Il est à 2500. Je cherche ce qui est moins cher. Ce qui est moins cher. Non, je veux un truc plus beau. Ça, là, par exemple, c'est combien? Ça, tu peux pas laisser à 1500. Oh, c'est important, quel compliment me bien fait. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ouais. Hein? Donc voilà, c'est fini. J'ai trouvé donc ma tenue complète, les accessoires, le sac, la chaussure. Donc on y va pour le look final. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà mon look final pour une soirée chic sur un bateau avec 10 000 francs seulement. Donc j'ai réussi à obtenir un petit sac, des boucles d'oreilles, une très belle robe blanche que j'aime beaucoup et aussi des chaussures qui sont assorties à mon sac que j'aime également, que j'ai trouvé à seulement 4 000 francs. Franchement, je suis impressionnée, j'aime beaucoup. Donc j'espère que vous aussi, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. So chou. La maestria. Non, c'est bien choisi. On dirait que ça a régressé un peu. Non, pas du tout. Franchement, j'étais fatiguée ce jour-là et je ne trouvais pas un truc qui m'inspirait. Qui parlait. J'ai trouvé une robe blanche. Je me suis dit, le décolleté, enfin, des côtés, ça allait faisait un peu bateau, truc, ouais. Plage et tout. Donc, je me suis dit, oui, pourquoi je suis pas. Mal placée pour critiquer aussi. Franchement, j'ai adoré les chaussures. Oui. Ah ouais. Vous avez dit quoi, chaussures, elle fait quoi? En fait, j'étais j'adore les chaussures. Oh, alors là, on va me détester. Alors moi, j'adore le look, j'adore tout. Ouais. Mais je me dis juste par rapport au thème, je sais pas, le panton pour se rendre au bateau, après le saut et tout, je pense que les chaussures sont pas très adaptées à la circonstance. Sinon, tu prends ce même look-là pour aller ailleurs, impeccable, irréprochable. Moi, je le trouve 10 sur 10, mais par rapport au thème, je trouve que les chaussures, il fallait prendre peut-être des gros bouts. En fait, en général, quand tu es sur un bateau et tout, on porte pas de chaussures. Donc, ou bien tu as un sandal, ouais. Limite. Mais moi, j'adore les chaussures. En pieds nus. En même temps, ce qu'on voit, c'est que les filles là, arrivent avec leurs chaussures et puis après, elles les attrapent comme ça. Tac, parce qu'en fait, tac, c'est ouais. Pas besoin de marcher sur le bouton, sur le plaqué du bateau. Ouais. Ouais, non, sinon, c'était sympa. Oui, mais bon, c'était, franchement, c'était moi aussi, j'étais pas vraiment fan. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'ai fait de mon mieux et j'espère que ça vous a plu. Et tu as super bien travaillé. Tu assures à chaque fois, franchement. Alors, est-ce que toi, tu as des copines qui partent au marché pour au même toi? Oui, seulement que après on n'a pas tellement de temps. Mm-hmm. Sinon c'est là-bas qu'on trouve des pépites. Ouais. Ouais. Des pépites. En même temps c'est inattendu. En fait tu passes et tu vois une tenue et vous communiquez. En fait la tenue te parle. Tu sais pas comment tu vas l'agencer, mais la tenue te dit viens. Je suis pour toi. Et quand tu prends, tu arrives à la maison, tu regardes dans ta garde-robe, mais ça crée des styles. Ouais. Ouais. Je vous jure, la chemise que je l'ai mise là, elle vient d'une autre tenue, d'une combinaison. Le pantalon, le bonnet, la chaussure. Ah, en tout cas, c'est le bonnet, tu es très modeuse. Hein. Oui, en fait, j'aime j'adore ça. J'aime être bien habillée, j'aime être chic, surtout confortablement ça habillée. Ça se voit surtout. Ouais. Je vais devenir une tomate. Donc voilà, on a fini, on est bientôt à la fin de l'émission. Donc est-ce que tu as un petit dernier mot, un message à faire passer à nos téléspectateurs ou même à nos femmes voilées qui nous regardent en ce moment? Bien sûr, à toutes mes CP voilées, juste vous dire que vous êtes belles. Avec votre voile ou même sans, vous êtes magnifiques. Le regard des autres, vous ne pourrez pas l'empêcher. Ce qui importe, c'est vous, votre épanouissement personnel, votre amour pour vous-même. Donc restez cramponnés voilà, à vos différentes valeurs et vos principes. Ils vont toujours vous combattre, que vous mettrez le voile ou pas. Restez concentrés et puis vivez votre vie tout en étant conforme à vos principes, vos valeurs. Et puis les tendances, ça passe. Hein. Aujourd'hui, c'est une tendance, demain, ça ne l'est pas. Mais vous demeurez une personne entière. Prenez soin de vous êtes toutes magnifiques. Ben voilà, c'était les conseils de notre CP Jessica aujourd'hui. Donc on parlait de porter le voile et puis j'espère que ça vous a plu. On fait plein de bisous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye. Merci Jessica. Oui, c'était super, merci de m'avoir reçu. Honnêtement, on finira pas de parler. En fait, c'est très important, j'aime parler, c'est comme ça que tu apprends. Oui. De l'expérience des autres.
Et puis ça permet de rectifier, oui, de rectifier beaucoup de choses parce que très souvent on est dans notre petite bulle. Allez, au revoir. Au revoir.